Ils sont arrivés par milliers, d'abord à Nabi Defet, bien avant l'heure de la prière. Les grands stades d'Our de la cité Manika a accueilli toutes les mosquées de Kolwezi et ses périphéries. Sur les visages, l'attitude des consécrations. Ces 10 avril, les musulmans se sont souhaités Aïd Moubarak, qui signifie « joyeuse fête » en arabe. L'imam local a célébré les débuts des Aïd devant des milliers de Kolwéziens qui ont suivi les prières. Aïd El Frit, ou fête de la rupture, marque la fin du ramadan après un mois de jeûne. C'est le mois le plus sacré pour la foi islamique, qui commémore à la fois la révélation du Coran. Fini les temps du carême. Les bonnes actions et attitudes sont à pérenniser. Que le fidèle continue à envahir le mosquée comme c'était au temps du ramadan. Que tous ceux qui étaient corrects pendant le jeûne puissent les demeurer. Parce que la mort peut nous surprendre. L'essentiel, qu'on soit toujours pur. La communauté islamique vivant au Lualaba a également une pensée pieuse pour la population de l'Est, de la RDC. Nous ne les oublions pas dans nos prières, que nous prions pour tout le pays qui sont sous menace de la guerre. Que ceux qui tuent à l'Est cessent. Et cependant, ceux qui défendent la patrie, notamment le militaire, continuent. Le musulman ont 3 jours de festivités durant lesquels les amis et connaissances vont s'échanger des vœux.